Et bonjour à tous amis, c'est Steelpub, j'espère que vous allez bien, on sera bien. Du coup, on se retrouve pour un tutoriel qui est plutôt unique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous allons apprendre, je vais vous apprendre comment faire une animation 3D super stylée sur Grapher, sur Mac. Alors, je vous dis que ce logiciel, je savais même pas que ça existait, et surtout, je l'ai jamais utilisé avant. J'ai utilisé qu'il y a quelques mois. Donc, comment ça, ce tuto, il va pas être parfait. Mais je fais juste le mieux. Pourquoi? Parce que ben, je suis pas quelqu'un de parfait. Donc voilà quoi. J'essaie de faire le mieux possible. Connaître ça sur sur ce tuto-là. Et puis voilà quoi. Donc en premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, pour qu'on anime l'animation, déjà il faut qu'on crée une plateforme. Alors là, le Z écale, ça a été déjà existé. Donc là, il faut mettre les deux trucs ronds là. Je suis pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me rappelle plus. Mettez X et vous mettez. Normalement, vous voyez, il y a celui-ci en premier qui est le 2 là. Merde, j'ai cliqué par ici. Désolé. Ok, voilà. Après, vous mettez plus. Après, vous mettez Y et 2. C'est que un seul truc que je vais faire. Je pense pas que je vais faire plus de tutos avec ça. Voilà. Donc là, il faut mettre EXP. Double rond comme ça, moins x, 2, et puis moins y, 2. Voilà, c'est bon. Donc voilà, là normalement il y a ça qui doit apparaître. Voilà quoi. Donc là, on a déjà ça. Et du coup, pour que ça marche encore plus, comment dire ça? Pour que ça sauvegarde cette plateforme-là avec, vous avez vu, un tout petit truc rond là par ici, même si la qualité n'est pas trop bonne aujourd'hui. Normalement, vous pouvez voir qu'il y a un petit truc rond là-bas et qu'il y a un petit trou ici. Vous mettez A. Normalement, c'est buggé. Pourquoi? Parce que c'est incorrect, parce qu'on n'a pas mis le truc d'animation. Là, on va mettre nouvelle équation. Là, vous mettez A égale moins 9. Et normalement, qu'on peut voir que ça fait un truc rond par ici. Et voilà quoi. Après, vous mettez sur. Vous cliquez A9. Vous mettez sur équation. Que ça affiche pas ici, mais voilà quoi. Vous cliquez sur équation qui est normalement en haut à gauche. En haut à gauche. Pas tout en haut à gauche, mais vous voyez là l'équation. Vous cliquez sur animation de paramètres. Et puis, donc, on peut voir que ça donne normalement animer le truc. Regardez ça. On va cliquer sur le truc là. Qu'on peut voir que ça anime. Le truc. Bon, ça fait pas tout le rond en entier, ce qui est dommage. Mais vous allez voir après, vous allez voir. Donc là, on a fait ça maintenant, ce qui est cool. Et ensuite, on va essayer de corriger. On va voir, bah, on va mettre la genre minimum value, on va mettre à moins 20. Valeur maximale, on va mettre à 20. Comme ça fait la maximale de que ça monte et ça descend, quoi. Et puis, on va mettre les étapes à 11. Sans tout ça, on s'en fiche un peu. On va mettre à rapide. Parce que ça serait mieux quoi. Et puis du coup, bah on va mettre OK. Donc là normalement, ça doit être bon. Regardez ça. Waouh, voilà, c'était un peu trop rapide là. Oh mon Dieu. Tac. Et là. Voilà, là c'est mieux là. Donc, on peut voir que ça fait un truc stylé. Voilà. C'est qui est vraiment stylé. Donc maintenant, on va essayer de convertir ça. Comment on peut changer la couleur de cette plateforme verte et verte foncée de ça, un peu lignée quoi. Donc là, il faut. Attendez, désolé, il y a un petit bug, mais bon, c'est pas grave. On va cliquer sur un bouton ici, inspecteur. Apparemment, ça s'affiche pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. On a inspecteur ici. Donc là, on va mettre. Comment dire ça? En couleur, n'importe quoi. On va mettre en orientation. Donc là, normalement, ça va mettre en couleur comme ça, si vous voyez. Vous voyez déjà un peu mieux, regardez ça, ça met en couleur comme ça. Du coup, on va mettre. Vous voyez que c'est un peu pixelisé. Que je vous raconte dire ici. Regardez ça. C'est un peu pixelisé qu'on peut voir. On va. Si vous aimez laisser en pixel, vous pouvez le garder comme ça. Et si vous voulez changer, comment dire ça, que vous voulez mettre un peu plus de meilleure qualité, vous mettez juste ces deux trucs en haut. Et là, qu'on peut voir que là. C'est en meilleure qualité. Donc là, on peut mettre OK. Donc là, qu'on peut voir que là, c'est de meilleure qualité. Voilà, l'image,
C'est plus pixelisé, voilà. Et du coup, ben voilà, on a fait tout ça. Ici, quoi. Attendez encore une fois une seconde. Désolé, il y a quelques problèmes parfois. Donc, parfois, je mets des pauses, désolé. Mais je pense que vous suiviez. Et bien là, normalement, ben voilà, quoi. On a fait notre animation stylée. Oula, par contre, là, ça lag énormément. Waouh. Ok, là, ça anime le truc, mais ça anime très mal, en fait. C'est là qu'on peut voir que ça descend, ça descend. Ça lag un peu. Je pense que je vais mettre la qualité un peu plus basse, je trouve. C'est bon, j'ai baissé la qualité. Voilà. Et du coup, ben là, normalement, j'espère pas que ça va laguer. Attention. Oui, là, ça ne lag pas. Ok, c'est juste la qualité qu'elle est un peu laguée. Donc là, normalement, regardez ça, ça fait un effet stylé. Voilà. Bref, c'était ce petit tutoriel comment faire une animation stylée. Je pense pas que je vais faire plus de tutoriels avec ce logiciel Graphair, même si c'est cool. Peut-être un deuxième, je sais pas. Du coup, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super. Du coup, si vous voulez voir plus de vidéos de Minecraft, de Roblox, de trucs, ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Et si vous voulez aussi plus de tutos comme ça, dites-moi dans les commentaires, c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais faire plus de trucs comme ça parce que ça m'intéresse aussi moi-même. Et du coup, je vous dis à très bientôt, les amis, pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Au revoir!